Ah bon, on retourne en Angleterre, à Birmingham. Bah c'est pas grave. Allez, on va repartir en Angleterre. Le problème, c'est que les livraisons ne sont pas assez longues et pour l'instant, j'ai pas assez de longueur. C'est pour ça que je reste entre la France et l'Angleterre. Mais c'est pas grave. Donc là, on va livrer quoi? Des la canalisation sur fonte, en fonte à Postpaid de Birmingham. Donc voilà. Bon, on repasse par la même route. Vu qu'on repart à Dover. Seule différence, c'est que là, on va à Birmingham, on va pas à... C'est ça la grosse différence. En plus, comme on repart direct de Birmingham, donc voilà, de Calais, donc voilà, donc ça n'a pas fait comme l'épisode d'avant qu'il y a eu une petite pause, un repos avant. Donc là, on va rentrer sur le port de Calais avec le rond-point. Pas comme la dernière fois qu'on est passé au-dessus, en fait. C'est un petit peu différent, là, d'entrée. Bah, différent, ouais, je suis pas sûr. On va voir comment ça se passe. Bah, on tourne direct à droite au lieu d'arriver de l'autre côté. C'est un peu différent. Là, on monte d'ici que tu t'es hier, la dernière fois qu'on avait fait un live, on était arrivé de la droite. C'est tout. C'est ça la différence entre les deux. On se reprend dans le port de Calais pour la troisième fois. Il m'a rabattu mon clapet, lui. Lol. Super. C'est trop bien. J'ai un truc à voir, juste un truc.
Ouais, ils partent derrière, d'accord. Nous, on prend le bateau. Donc, on repart à deux. Bon, une nouvelle fois. La deuxième fois, c'est quand on va aller à Birmingham et pas. Et pas. Et pas à Cambridge comme la dernière fois. Donc on va passer par l'autre côté, on va visiter un peu l'Angleterre par le sud-est. Mais bon. Là pour l'instant on reste bloqué entre la France et l'Angleterre. Entre la France, les Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Angleterre. Super. Putain! Bah attends, mais il voit pas ce qui se passe, je suis en train de lui tourner devant. Putain! Il m'a foncé dedans. Allez, on tourne à gauche et on y va. Bah, pour l'instant, les routes, c'est tout à fait les mêmes depuis quelque temps. La différence, ça va être après, quand on va revenir sur Londres, la petite différence. Ça, on va pas passer par le nord de Londres, on va passer par le sud. Donc là, ça va changer un tout petit peu.
Allez, on se rabat sur la droite. Tranquillement, et on y va. Voilà. J'espère qu'on va réussir à monter. Ah c'est bon, on est en train de réaccélérer, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Parce que si on n'avait pas à monter, on est mal. Là, je suis bien là, c'est bien. Donc vers 15h30 comme je disais, donc dans moins d'une heure on arrêtera. Donc le temps de débrancher le volant et tout, ça a commencé un petit peu en retard sur Anno, mais bon c'est pas grave. Et Anno ça va être un peu spécial, le live d'Anno tout à l'heure, parce que sur Anno on va faire une première partie qu'avec le nouveau monde. Donc on va travailler sur le nouveau monde, continuer à progresser la ville et tout. Et après on ira sur MPSA pour la deuxième partie. Donc je pense qu'on va faire 1h15, 45 minutes, un truc comme ça, on verra. Et la semaine prochaine, si... le live, je vais le prévoir. Mais... Le live, on va le prévoir comme aujourd'hui, 13h30, 19h30. Parce que en fait, je sais pas, là, je suis en mode dispo, mais je sais pas ce que je fais. Est-ce que je travaille ou pas, j'en sais rien. Donc on va pas prendre le risque. Donc on va prévoir le live, et si je travaille, si j'ai... Si on m'appelle pour me faire quelque chose, voilà. Allez, c'est reparti. Et la semaine suivante, ça reviendra à la normale. Avec des lives normales. Alternance Anno 1800 TS2 une fois sur deux. Et voilà. Par contre le jeudi je sais toujours pas quoi faire. Parce qu'il y a Rimworld qui... Non il y a pas Rimworld. Il y a Banished avec des modes qui va arriver jeudi là. Bah après je verrai parce que... On verra. Comme je vous dis, les niveaux sont un petit peu plus longs, mais c'est pas exceptionnel encore. En vrai. C'est vraiment pas exceptionnel. Et en plus, depuis tout à l'heure, je fais surtout de la réparation de camion aussi, donc voilà. Donc c'est un peu con mais bon ça avait été. Thank you.
Je crois qu'il faut sortir au sud là, pour une fois. On va partir vers le sud là. Ou ça on va tout droit, je sais pas. Ah non, on part vers le sud. Donc on va découvrir la partie sud de Londres. Ça c'est super. Ça change un petit peu de destination. Donc on découvre des nouvelles routes. Donc là vous voyez qu'on est en train de passer par Londres au sud, tranquillement. Des routes qu'on n'avait pas roulées tout à l'heure. Là, non, faut pas short. On va tout droit là. On va continuer tout droit, on va prendre notre route tranquille. Ça c'est bien. Je crois qu'on continue à aller tout droit là. Je suis pas sûr mais je crois. Mais on va tout droit. On sort pas tout de suite en fait. On va passer Tampton, on va dire. Là, on roule bien là. On est bien là. On est tranquille. Je pense que j'allais faire mon plein. Bah, pas... Je pense que la prochaine livraison, je pense que j'allais faire le plein de gasoil. C'est bien sûr. Je crois qu'on va devoir continuer tout droit. Allez, on continue tout droit. Ah, faut se rabattre sur la gauche là. Je crois que la prochaine sortie c'est Birmingham. Je crois, je suis pas sûr. Prochaine station de service, je m'arrêterai pour aller faire mon plein. Bah ici.
Voilà. C'est reparti. Si je dis prochaine sauce au service, c'est celle-là. Ça aurait pu être plus loin, mais c'était celle-là, c'est pas de bol. On était juste à côté. Sortie Birmingham, c'est celle-là, ok. Donc on doit sortir ici. Allez, on part direction sur Birmingham, on sort là, tranquillement, et on y va. Alors c'est comme hier, si on dépasse 15h30, c'est pas grave, on finira la livraison en fait. À part s'il reste 300 bornes, alors s'il reste entre 250 et 300 km, on finira pas bien sûr. Donc voilà. Mais s'il reste 10 km, on finira la livraison entièrement. C'est un peu comme hier avec le dernier match. On ne l'a pas fait, mais voilà. Allez, il nous reste 139 km à faire, ça c'est bien. C'est vrai qu'en partant de Birmingham, on pourra retourner vers la Bretagne en fait. Je suis en train de penser à ça. À voir. Si on a une livraison pour là-bas. En passant par Puymouch. Putain, on a perdu des kilométrages parce que le camion il a s'arrêté deux fois. Super. Trop bien. Hop. Putain, c'était 80 juste avant, c'est 80. Heureusement qu'il n'y a pas de flic. Comment on réaccélère? C'est chiant qu'on passe de 97 à 80. C'est horrible. Voilà, on continue tout droit. C'est Cambridge. Birmingham, je veux dire. Parce que si on sort là, on va à Cambridge. Donc.
Et on doit passer à terre là. D'accord. Allez, on aura encore 80 km à faire. Là, on visite bien. On passe par des routes qu'on n'a jamais vues pour l'instant. Bah, jamais vu. Bah, si, j'ai déjà vu il y a au moins une dizaine d'années de ça sur le jeu, mais. Mais bon, voilà, à part ça, voilà. Après, on passe sur des routes qu'on n'a jamais vues après. Pour cette partie-là. Et on va découvrir une nouvelle ville, Birmingham. Bien sûr, bah là je ne marque pas, mais en vrai, si vous êtes intéressé, on peut faire du multijoueur sur le test 2. Voilà. C'est un peu le but aussi de la partie. Bah, j'en ai jamais fait parce que les horaires, je fais de mauvais horaires sur de mauvais horaires. Donc, bon, voilà, mais. Voilà. Putain, je laisse ralentir, il tombe en panne. Oh là là, il s'éteint. Bon, moi, il reste. Je serais pas à 80. Hop. On sort pas là. Ouais, d'accord. Bon, bah, je passe devant le camion derrière. Et on va tout droit. Je pensais qu'on sortirait là, mais même pas. Sors de l'autre côté, d'accord. Pour la deuxième sortie. Alors, comme d'habitude, on va repartir de l'endroit où on s'est arrêté et je pourrais là à l'aise. Ouais, ouais, c'est bon, je pourrais. On pourra à l'aise. Et on ira dormir dans la prochaine livraison. Après la prochaine livraison. Oh putain, j'ai tapé. Je fais pas attention aujourd'hui, je suis vraiment maladroit. C'est une catastrophe.
Donc là, on va sur la droite, parce qu'on va tourner à droite. C'est logique. Alors, on file à droite. Et après, on va à gauche. Après, on va à droite parce que notre arrêt il est là. Hop, c'est parti. D'accord, là, il nous demande de se mettre là, d'accord. On va faire demi-tour et... Et on va se garer là-bas. Tranquillement. C'est chiant ça. Voilà, on est arrivé. Impeccable.